J'ai regardé un petit peu l'émission avant, avant de venir et je me suis dit, ça va être bien. Je vais en fait à les Marseillais contre Dubaï. Vous pensez quoi de qui? Vous pensez quoi de Bernard Montiel? De qui? Je refuse beaucoup de trucs, certaines choses qui ne me plaisent pas. Ah ouais? Bah, je t'avais envoyé un truc il y a 2 ans, j'ai toujours pas eu de nouvelles. C'est vrai qu'il m'a envoyé une merde. Déjà, là, les doigts. Ça, c'est impossible. Mathieu, vous rêvez de faire du cinéma? Ah, j'en rêve, vraiment. Oui. Ah oui, vraiment. Si jamais ça vous... Moi, j'en fais plus, donc... C'est un conseil comme ça, parce que moi, je ne fais plus du tout ça, donc... Il a arrêté, ça. Moi, j'ai arrêté, maintenant. Ça. Moi, j'ai une suggestion capillaire. Ouais. Il faut garder ça, tu ferais mieux d'arrêter, toi. Vous avez déjà reçu Christian Clavier, vous? Non. Jamais? Mais bon, non. Il fait une émission, lui? Non. Mais je t'adore, mais c'est vrai. Mais oui, sur depuis RFM. 36 ans, je fais des émissions de télé et de radio. Oui. Sur RFM. Tous ces sur amis RFM. Viennent. Oui. Tous ces amis viennent. Derrière ces mesures qu'on peut entendre, il se passe quelque chose d'important en France actuellement. Il y a une espèce de clivage qui se crée, profondément. Entre d'un côté une France profondément urbaine, des grandes villes, les banlieues, et ensuite, derrière, il y a toute cette France rurale qui écoute ce genre de débat en se demandant ce qui se passe. Il y a eu un marteau piqueur. Ce qui me gêne... Pardon, excuse-moi, mais il y a eu un marteau piqueur. Hein. Non, mais parce que j'ai entendu ça. Pardon, hein, parce que l'illustration était brillante. Mais j'ai entendu un marteau piqueur, moi, derrière. Hein. J'ai entendu un marteau piqueur. Voilà, c'est tout. Je voulais jeter la dire parce qu'il faut faire ressentir aux spectateurs ce que je ressens, moi. Derrière, t'as les mecs qui travaillent de nuit ici au marteau piqueur. Ah non, c'est spécial. Non, allez-y, reprenons. Ça va être compliqué. Là. Ah bah pardon. Moi je vais m'en aller alors, je vais m'en aller. Mais non, 2 minutes, attends. Mais non, mais moi il y a un marteau piqueur, il y a des mecs qui travaillent de nuit là. Vous l'avez entendu vous? Oui. De ce côté-là, vous l'avez entendu? Tout à fait. Même Montiel qui est sourd. Et aujourd'hui, ça par contre c'est moins drôle. Ouais, des gens qui vont devoir, qui ont cravaché, qui ont fait des crédits pour acheter une voiture et qui se retrouvent dans une situation extrême, c'est beaucoup. Non mais t'as raison, Pierre. Enfin, ça c'est sur les 30 km/h. T'as raison, oui, c'est vrai. Cependant, il y a un marteau piqueur. Il y a un marteau piqueur. Même ça, moi, je l'ai entendu, là. Qu'est-ce qui se passe en régie, là? Attendez. Hein? Jean-Philippe.